1795, en France. La République, qui auparavant se défendait face à la plus grande invasion de son histoire, est désormais passée à l'offensive et annexe les territoires à l'ouest du Rhin. Les Prussiens, les Hollandais, la Toscane et l'Espagne vont être forcés de signer la paix. Mais les victoires extérieures ne peuvent masquer les difficultés d'un pays qui vacille sur le plan politique et sur le plan financier. À l'ouest, les Vendéens de Charette sont désormais rejoints par les Chouans. Ils sont appuyés par la marine britannique, qui interdit tout navire étranger de rejoindre les côtes françaises. Cette situation met l'économie française au bord du gouffre, d'autant plus que les récoltes sont mauvaises et que des émeutes de la faim éclatent partout dans la République. 1795, en France, le Directoire, les Chouans et la crise économique, cette vidéo vous montrera comment les Thermidoriens, du nom du groupement politique qui a pris le pouvoir après la chute de Robespierre, ont tenté de stabiliser une République au bord de l'effondrement. Janvier 1795, dans les Provinces Unies. L'armée française, dirigée par Pichegru, s'apprête à envahir la Hollande. La région est réputée difficile à conquérir, en raison des nombreuses rivières qui la traversent et des solides forteresses qui la protègent. Le général français compte donc se servir de l'hiver pour fluidifier son offensive en traversant les cours d'eau pris par les glaces. De leur côté, les Hollandais étaient dirigés par le prince d'Orange. Ce dernier était dans une situation difficile du fait de sa politique autoritaire. Une partie des Pays-Bas se détourne même de son gouvernement et accueille les Français avec l'espoir de mettre à bas la dictature. Ce manque d'unité et de cohésion facilite grandement la progression de Pichegru. Ce dernier pousse donc son avantage et prend Utrecht puis Arnhem le 17 janvier 1795. Il reprend la route et marche sur Amsterdam, la capitale du royaume. Mais finalement, il n'aura pas à livrer bataille. Les bourgeois de la ville qui s'opposent au prince d'Orange chassent les partisans du souverain pour livrer la province aux Français. Plus tard, en mai 1795, Paris reconnaît l'indépendance des Pays-Bas en l'échange d'une lourde contribution monétaire au budget de la République française. La prise des Pays-Bas et de ses riches provinces est une bonne nouvelle. Cependant, le gouvernement sait que le succès de la Révolution ne réside pas tant dans les conquêtes extérieures que dans la stabilisation de l'économie. À l'époque, la croissance économique dépend essentiellement de trois dynamiques. Premièrement, la qualité des récoltes. En effet, le 9/10 de la population française est alors rurale et dépend de l'agriculture pour vivre. Les mauvaises récoltes, qui s'accumulent depuis bientôt une décennie, sont une véritable plaie dans l'économie révolutionnaire. Quant au deuxième secteur de croissance, l'industrie, il est dépendant du niveau d'investissement dans les usines. Mais avec les incertitudes politiques et monétaires de l'époque, les fortunes de France préfèrent épargner leur argent. Pire, elles spéculent et attendent que les prix baissent pour s'accaparer des biens immobiliers. L'argent ne circule pas et l'économie s'embourbe. Enfin, le troisième secteur de croissance, le commerce international, est totalement annihilé par le blocus maritime anglais. À l'époque, c'est la puissance de la marine qui fait ou défait la capacité d'une nation à commercer avec ses colonies. Mais après la Révolution, la plupart des marins restent fidèles au roi Louis XVI et refusent de combattre pour la France. Des pans entiers de l'économie sont donc à l'arrêt et le chômage augmente. Les Jacobins, conscients de la difficulté, ont tenté de corriger les mauvaises performances financières par une politique étatiste. Sur le secteur agricole, ils imposent la loi du maximum qui contraint les producteurs à vendre leurs denrées à prix fixe. Sur le secteur de l'industrie, les Jacobins créent une économie de guerre. Mais une fois l'invasion européenne repoussée, le gouvernement échoue à diversifier l'industrie et doit faire face à la concurrence des produits venus d'Angleterre. Quant au commerce international, la Révolution peine à reconstruire une marine digne de ce nom. Preuve en est faite lors d'une ultime tentative pour percer le blocus britannique en 1795. Cette sortie, appelée la campagne du Grand Hiver, est une véritable humiliation pour la France. Sur une trentaine de vaisseaux lancés en mer, Paris en perd une dizaine du fait des tempêtes et de la mauvaise coordination. La Royal Navy reste seule maîtresse des océans et en profite pour soutenir les insurgés vendéens et bretons. Au début de l'été, elle organise même le débarquement de l'armée des immigrés français sur les côtes du Morbihan, qui sont alors défendues par le général Hoche. Le 23 juin 1795, l'ensemble des navires britanniques affrétés pour l'expédition entrent dans la baie de Quiberon.
débarquer, ils attendent que les Chouans sécurisent les côtes, ce que ces derniers s'appliquent à faire le 25 juin avec la prise de Carnac. Le 27 juin, les premières troupes d'émigrés français posent pied sur la plage située à la sortie de la ville. Ils sont rejoints par le gros de l'armée bretonne, soit 15 000 hommes. À Carnac se rencontrent donc une armée d'aristocrates et une armée populaire, paysanne. Les premiers sont des nobles déchus par la Révolution. Les seconds sont des paysans révoltés contre les taxes et la République. Si chaque camp se bat pour le rétablissement de la royauté, leurs mœurs et leurs mentalités sont différentes. Chaque jour, les Chouans scandalisent les officiers émigrés par leur indiscipline et leur manière peu distinguée. Le dégoût est tel que, dans un mépris de classe totale, lors des messes organisées à la gloire de Dieu et du roi, les émigrés font bande à part et refusent de se fondre avec le peuple. Ces disputes portent un coup fatal à la cohésion des troupes face aux républicains qui, eux, sont plus unis que jamais. Le général Hoche, qui dispose de 13 000 hommes et qui comprend la désorganisation de l'ennemi, adopte une stratégie offensive. Le 3 juillet, il porte l'assaut sur Landévent et Auray, mais perd le fort de Penthièvre, assiégé depuis plusieurs jours. Pour le libérer, et pour aussi acculer les rebelles à la mer, les républicains décident de lancer une attaque générale le 6 juillet. Hoche lance l'assaut sur Herdevent, Ploemel et Carnac, et où il s'oppose à la résistance féroce des émigrés et des Chouans. Mais les troupes de la République font parler leur supériorité tactique et font une percée sur tous les fronts. Les insurgés reculent et doivent se réfugier vers la presqu'île de Quiberon, près du fort de Penthièvre, où se jouera l'issue de cette bataille. À ce moment, Hoche réalise combien la tâche est difficile. Pour prendre d'assaut le fort, il faut traverser la fine bande de terre qui sépare la presqu'île du continent. Cette zone est à la merci des marées, mais également des tirs des canons britanniques, qui couvrent le passage avec leurs navires. Lancer une attaque générale serait donc du suicide. Cependant, la nuit tombe et le temps tourne à l'orage. C'est une occasion rêvée de tromper la vigilance des navires anglais et de prendre le fort par surprise. Le 20 juillet, à 11h du soir, Hoche décide donc de lancer ses troupes à l'assaut. L'obscurité, le tonnerre et la violence des pluies permettent aux soldats de la République de passer la fine bande de terre de façon inaperçue. Mais le fort est tout de même bien gardé et l'attaquer de front est une entreprise dangereuse. Hoche charge donc une petite troupe d'élite d'escalader un mur afin de libérer les prisonniers républicains et porter le combat à l'intérieur de l'enceinte. Les insurgés sont surpris et les coups de feu alertent les navires britanniques. Ces derniers tirent alors à l'aveugle sur la presqu'île, faisant autant de dégâts chez les troupes ennemies que chez les troupes alliées. Mais la victoire est bien pour la République, qui prend possession du fort et met fin à la tentative de débarquement des royalistes. Si l'ouest de la France n'est pas encore pacifié, les nouvelles sont meilleures sur le front espagnol. Les troupes de Madrid, qui essuient revers sur revers, cherchent une issue rapide à la guerre qui l'oppose à Paris. Manquant cruellement d'équipements, de soldats et d'argent, les troupes de Ricardo sont humiliées à la bataille de la Sierra Negra, en Catalogne, en novembre 1794. En effet, 25 000 Français dirigés par le général Dugommier défont 50 000 Espagnols en seulement quelques jours. La France a alors le champ libre pour s'accaparer le nord-est de l'Espagne ainsi que les Pays Basques lors de la prise de Bilbao le 19 juillet 1795. Le 22 juillet, Manuel Godoy, chef du gouvernement à Madrid, signe alors la paix avec la France. Sur le front italien, les Autrichiens et les Sardes sont engagés par Masséna près de la ville de Loano, à quelques kilomètres à l'est de Nice. Profitant de leur supériorité numérique, les Français font une percée face aux troupes de Wallis le 23 novembre 1795.
Plus au nord, la France signe un traité de paix avec la Prusse le 5 avril 1795. Par le biais de celui-ci, Berlin reconnaît que les territoires à l'ouest du fleuve sont sous le contrôle de Paris. Débarrassés d'une menace, les Français rassemblent 180 000 soldats sous le commandement de Jourdan et Pichegru pour affronter l'armée autrichienne qui en compte autant sous la direction de Clairefait. La campagne commence dès le mois d'avril et les Français s'emparent de Düsseldorf puis Mainz en septembre 1795. Ces débuts encourageants ne peuvent cependant être conclus à Heidelberg lorsque Pichegru échoue devant Clairefait le 24 septembre. Suite à la bataille, les Français doivent reculer et sont même surpris par les Autrichiens à Hurst en octobre 1795, où Clairefait masse ses troupes contre celles de Pichegru et contraint les Français à repasser le Rhin. Mais malgré la défaite en Allemagne, la situation extérieure de la France se stabilise. En revanche, ce n'est pas le cas de la situation intérieure qui est toujours en déséquilibre, tant sur le plan économique que sur le plan politique. Pour y remédier, une nouvelle forme de gouvernement, appelée directoire, est proclamée le 26 octobre 1795. Selon cette nouvelle constitution, la France sera dirigée par 5 directeurs. Le premier, Jean-François Rebel, est chargé des finances, de la justice et des affaires étrangères. Le deuxième directeur, Louis-Marie de la Réveillère, s'occupe des affaires religieuses et culturelles. Sur le plan militaire, les affaires de la marine sont réservées à Étienne-François Le Tourneur, tandis que le commandement suprême des armées revient vers l'organisateur des grandes victoires de 1793 et 1794, Lazare Carnot. Enfin, le cinquième directeur, Paul Barras, est de loin l'homme le plus puissant du pays. Il est chargé de la bonne conduite des affaires intérieures et de l'orientation générale de la politique française. À ce titre, il établit une nouvelle stratégie pour l'année à venir. Le général Jourdan devra déclencher un second affrontement avec les Autrichiens sur le Rhin. Il sera épaulé par un jeune général, Napoléon Bonaparte, qui ouvrira un second front en Italie. À l'ouest, le général Hoche devra pacifier les régions vendéennes et bretonnes, puis forcer l'Angleterre à signer la paix en organisant un débarquement sur les îles britanniques. À l'aube de l'année 1796, la France veut porter un coup fatal à la première coalition. Mais a-t-elle réellement les moyens de ses ambitions? Pour le découvrir, vous pouvez vous abonner à la chaîne, cliquez sur j'aime en bas de la vidéo et rendez-vous au prochain épisode.